Le message que j'ai eu à cœur de vous partager ce matin, vous serez saints, avec euh, comme sous-point la voie du salut, cette route du salut. En relisant différents textes, notamment dans le livre d'Ésaïe, j'ai été encouragé aussi par rapport à ce thème. Mais j'aimerais revenir sur ce que je vous ai partagé dimanche passé dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16, où il est écrit de même que celui qui vous a appelé est saint vous aussi devenez saints dans toute votre conduite puisqu'il est écrit vous serez saints car je suis saint le thème de cette année qui nous encourage à cette crainte de l'éternel qui est cette source de vie et qui nous empêche qui nous préserve des pièges de, de la mort je crois que c'est tellement important et eh bien d'avoir cette crainte et de se rendre compte que dieu est saint mais ce n'est pas cette crainte, euh, ce n'est pas, pas la crainte où on va fuir, se cacher de lui, bien évidemment, mais c'est cette peur de lui déplaire, cette peur de rompre une relation de confiance qui nous lie à Dieu. Et dimanche passé, j'avais partagé aussi l'importance, évidemment, d'être saint, parce que l'éternel est saint, parce que Dieu aime tellement voir aussi ses enfants progresser à tous égards. J'ai dit, ce n'est pas parce qu'on est arrivé, abouti, on a... On a on a un certain niveau, on peut se dire Ah ben j'ai atteint tel niveau, donc c'est super, maintenant c'est bon, j'ai le ticket. Mais la Bible nous encourage encore et toujours à progresser à tous égards. Et je disais c'est super, si vous en êtes à tel niveau, c'est génial, vous aimez le Seigneur, vous lisez votre Bible, vous cherchez à. à à mettre votre vie en, en règle et je ne peux que vous féliciter pour ces choses-là, mais progresser encore, progresser encore dans cette mise à part parce que la sainteté, eh bien, être saint veut dire être mis à part pour le Seigneur. Et on a été aussi invités à se rendre compte du prix par lequel, eh bien, il nous a rachetés et évidemment, ce prix nous pousse à, à progresser. Dans la sainteté, on est mis à part dans un but, un but spécial pour le Seigneur. Ce but est eh bien d'être un petit peu comme les porte-paroles du Seigneur sur cette terre, d'être ses mains, d'être ses pieds, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, de faire la différence. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que je fais la différence autour de, de moi, auprès de mes voisins, dans, parmi les, les personnes que je côtoie jour après jour Esaïe, quand il a eu la révélation sur le futur, a vu une route, une route, une route droite et étroite. Bien que l'homme ait fait beaucoup de, de grandes autoroutes dans ce monde, Dieu les a surpassées tous et toutes. Lui, il a créé une route distincte qui mène vers le ciel. Et cette route, eh bien, c'est la route de la sainteté. On va lire ce matin, si vous avez vos Bibles, dans Esaïe au chapitre 35. Ce sera tout le chapitre, mais rassurez-vous, il a que 10 versets. Mais comme la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, eh bien, j'aime aussi eh bien, lire des versets dans la parole de Dieu. Cette route, les versets 8 à 10, cette route, c'est la voie sainte. Déjà, le verset 8. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Je développerai ça tout à l'heure. Deuxième chose qu'on verra par rapport à cette route, c'est que c'est une route sûre. Il n'y aura pas de lion. Verset 9. Il n'y aura pas de lion et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On trouve, n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Donc là encore, une route où on peut trouver la sécurité, la route du Seigneur. C'est la route aussi qui mène à la maison de l'Éternel. Au verset 10, oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. À Sion qui est évidemment Jérusalem, mais qui est aussi pour nous. Eh bien, cette Jérusalem céleste, ils iront à Sion. Et c'est aussi la route de la joie, la route du bonheur, comme on voit dans la suite du verset 10. Un bonheur éternel couronnera leur tête, ils auront en partage la joie et l'allégresse. Tristesse et plainte s'enfuiront. Est-ce que ça vous fait envie comme, comme programme Ça nous fait envie, mais il y a un prix à payer, on le voit aussi dans ce verset 8. On va lire le début de ce chapitre. Vous pouvez lire avec moi Que le pays désert et que la terre aride se réjouissent. Que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys. Que la steppe jubile et se mette à fleurir comme le lys, verset 2. Que les fleurs y abondent et que sa joie éclate qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui seront données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. À ceux qui sont troublés, dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte. Votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra lui-même et vous sauvera. Jésus revient un jour, il revient en personne et il revient nous apporter le salut. Au verset 5 à 7, ce jour-là s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. Et alors le boiteux bondira comme un cerf. Vous imaginez les, les gens qui commencent à bondir comme des cerfs. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un zoo ou que vous voyez... Euh, parfois dans, dans la nature, lorsque vous vous promenez, que vous voyez euh, les animaux qui bondissent, ou lorsqu'au printemps, on sort euh, de l'étable les vaches et qu'on les voit sauter comme des folles aussi, euh, c'est juste impressionnant. Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles, et alors le boiteux bondira comme un cerf et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe des torrents couleront. La terre desséchée se changera en lac et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des gens croîtront dans le repaire où gitaient les chacals. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y perdre. Là, il n'y aura pas de lions et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas car c'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse et plainte, s'enfuiront. Quel beau programme, mes frères et sœurs. Quel programme aussi d'abondance. D'abondance aussi, je crois, sur tous les domaines de notre vie, là où il y a de la sécheresse, Dieu veut arroser et faire fructifier. Et je crois vraiment aussi par rapport à ce texte, même au niveau de, des finances, même au niveau de, de toutes sortes, Dieu veut faire fructifier, parce que Dieu est un Dieu aussi eh bien, qui est généreux. Il est généreux et riche en bonté pour celles et ceux qui s'approchent de lui. Chaque voyage dans lequel eh bien, on, on s'embarque à une destination en vue, chacun de nous s'embarque dans le voyage de cette vie, on, doit, on garde évidemment, on a certains projets par rapport à la vie, on a certains objectifs. On s'imagine peut-être aller dans telle ou telle direction. On formule certains projets dans la vie lorsqu'on fait aussi un voyage, et eh bien c'est pareil. On peut partir à l'improviste, mais on sait bien que si on va à telle direction, et eh bien on ne va pas visiter tel, tel pays parce que. Il faudrait si, si on se dirige du côté de l'Amérique du Sud, on ne va pas se retrouver comme par hasard en Afrique. C'est ça que j'aimerais juste vous dire aussi. Donc on a une certaine direction, certains objectifs. Aussi dans la vie, on a un certain projet peut-être. On parle parfois de, de plans de carrière, certaines choses qu'on imagine. On s'imagine que dans tant d'années, eh bien on va vivre ceci, on aura peut-être des enfants. On va peut-être construire une maison, on fait certains plans, certains projets, certains plans de carrière. Mais est-ce qu'on a aussi la fin comme objectif, la fin de notre vie Est-ce qu'on se rend compte euh, d'où on va D'où on vient, ça on le sait peut-être, c'est important, mais est-ce qu'on se rend compte où on va Et Esaïe parle de la voie du racheté de l'éternel dans laquelle on voyage, un petit peu comme une autoroute et elle s'appelle. Je l'appelle la voie sainte, c'est comme ça qu'Ésaïe l'appelle au verset 8 dans Ésaïe 35. Il est dit aussi que le peuple qui marche est juste. Le faible, l'aveugle et le boiteux, eh bien Dieu les guérira, les guidera, les sauvera. Il est dit aussi que la voie sera si claire et droite que même les voyageurs insensés ne pourront pas manquer de la voir. Est-ce que c'est juste pour l'au-delà, pour quand le Seigneur va revenir, ou est-ce qu'il y a déjà quelque chose pour nous aujourd'hui. Et je crois que pour nous aujourd'hui, il y a déjà quelque chose justement, parce que Dieu nous a donné de son esprit, Dieu nous a donné de goûter un petit peu à sa sainteté, Dieu nous a donné de percevoir certains de ses projets déjà. Plusieurs des traits de ce tableau qu'on a vu dans Ésaïe 35 se sont réalisés à la lettre dans le ministère de Jésus. D'ailleurs, Jésus va répondre aux doutes de Jean-Baptiste dans Matthieu 11, verset 5. Lorsque Jean-Baptiste va lui poser cette question au travers de, de ses disciples, Jean-Baptiste était emprisonné, il avait été mis en, en prison par Hérode et il va faire dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Et Jésus va lui répondre. On voit cette réponse dans Matthieu 11, verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est cette reprise de ce texte d'Ésaïe 35 qu'on a lu tout à l'heure. Évidemment, la réalisation complète, à la fois matérielle et spirituelle, se fera dans la nouvelle création qu'on voit dans Ésaïe 11, verset 6. Le loup séjournera avec l'agneau. Et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit garçon les conduira. Tout à l'heure, on a lu au verset 9 d'Ésaïe 35 qu'il n'y aura pas de lion, que les bêtes féroces n'y auront pas accès, on n'en trouvera pas. C'est le peuple à sauver qui marchera. Pourquoi il n'y aura plus de bêtes féroces Parce que justement, elles seront plus féroces. Il y aura certainement encore des loups, des lions, enfin selon ce texte. Mais il est dit que le loup séjournera avec l'agneau, mais il sera plus féroce. La panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit garçon les conduira. Il n'en aura pas peur et il ne va pas se faire manger. Dans ce texte d'Ésaïe, 35, comme je vous ai dit en introduction, ça me fait penser à cette route de la sainteté, la voie sainte, au verset 8 d'Esaïe 35. À la base, c'est bien Dieu le maître d'ouvrage de cette route, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas à nous de la fabriquer, elle est déjà dressée par le Seigneur. C'est déjà Dieu qui a construit cette route, à nous de l'emprunter ou pas en fin de compte. Est-ce qu'on a envie d'emprunter cette route, cette voie sainte qui a été dressée par le Seigneur de toute éternité Ou est-ce qu'on veut y marcher un petit peu de temps à autre lorsque cela nous arrange, lorsque ça ne contrarie pas nos plans Dans Lévitique, au chapitre 20, versets 7 et 8, il est dit, Comportez-vous comme des êtres saints, car je suis le Seigneur votre Dieu prenez bien soin de mettre en pratique toutes mes lois je suis le Seigneur à qui vous appartenez en propre. En réalité on s'appartient plus vraiment lorsqu'on a donné nos cœurs à Jésus, notre cœur à Jésus, on appartient au Seigneur, on est ce peuple racheté ce peuple mis à part, ce peuple appelé à faire la différence partout là où on est, de quelle culture que, que l'on soit, de quelle couleur que l'on soit, on est appelé à faire la différence là où Dieu nous a placés parce qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Au travers de la nouvelle naissance, eh bien, on a changé de camp. On est peut-être né dans une ethnie, dans un groupe, dans, dans un pays, mais par la nouvelle naissance, eh bien, on déclare publiquement, c'est ce miracle, eh bien, comme on est né du Seigneur, on appartient au Seigneur, on est membre de sa famille. Comportez-vous comme des êtres mis à part, saints. Ce mot saint, il est biaisé aujourd'hui, on ne le comprend plus très bien. Souvent dans les églises, on parle des saints comme des morts, alors que c'est bien les, les vivants, c'est des gens qui sont, qui sont mis à part, des gens qui sont sanctifiés par le Seigneur, qui sont mis à part. Comportez-vous comme des êtres mis à part, car je suis le Seigneur, votre Dieu. Est-ce que le Seigneur est votre Dieu C'est peut-être là la première question à poser. Prenez bien soin de mettre en pratique une petite partie des lois qui vous dérangent pas. Ah non, pardon. Prenez bien soin de mettre en pratique toutes mes lois. Je suis le Seigneur à qui vous appartenez en propre. Et c'est dit dans le texte d'Ésaïe 35, si quelqu'un veut rester impur, eh bien il ne pourra pas emprunter... La voix sainte, c'est au verset 8, ⁇ Nul impur n'y passera. Il y a un prix à payer, mes frères et sœurs, pour s'approcher du Seigneur. Ce prix, eh c'est le prix aussi de la consécration. Peut-être de dire ben, ⁇ je m'appartiens plus complètement ⁇ j'appartiens au Seigneur parce que je lui ai donné ma vie et j'ai à, à, lui, à lui ressembler, je dois lui ressembler. Je suis appelé à faire la différence. Autrement, à quoi bon croire au Seigneur Est-ce que c'est juste pour ne pas subir les quelques années de vie que le Seigneur nous donne sur cette terre Ou est-ce qu'il y a un programme un peu plus grandiose pour nous Je crois que ce programme est grandiose pour nous, mais il y a un prix à payer. Il est parlé aussi parfois de, de porter sa croix et de suivre le Seigneur, parce que justement, le prix, il n'est pas financier, ce n'est pas par des œuvres, mais c'est par une consécration on est appelé à dire, ben voilà, j'appartiens au Seigneur et j'ai envie de lui plaire. Lui plaire parce qu'il me voit à chaque instant. Comme vous avez envie de plaire à votre conjoint, comme vous avez envie de plaire peut-être à vos enfants, comme vous avez envie de plaire à votre patron, comme vous avez envie de plaire à... Vous pouvez mettre à la personne eh bien, qui a peut-être le plus d'importance pour vous. La roue de la sainteté de Dieu, c'est cette voie sainte et c'est important de considérer que Dieu est saint alors qu'on a à marcher aussi dans la sainteté. Deuxième chose, la route de la sainteté, elle n'est pas optionnelle. C'est cette route qui va nous conduire avec assurance eh bien, dans, dans le plan de Dieu, dans la bonne direction. C'est un commandement de Dieu. C'est la route à suivre impérativement et on l'a vu dans Lévitique 20, verset 26, qui dit « Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint et je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous M'apparteniez. Je vous ai mis à part des autres peuples pour que vous m'apparteniez. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et justement, on est appelé à attirer d'autres personnes, et bien par, ce, par tout ce que le Seigneur a mis dans notre vie, a investi dans notre vie. Le Seigneur vous aime de façon incroyable. Moi je me c'est quelque chose qui m'interpelle toujours. Excusez-moi si je le redis à plusieurs reprises, mais pourquoi pourquoi moi je crois à Dieu et puis d'autres ils en ont que faire Non pas parce que je le mérite, mais par pure grâce parce que Dieu a choisi d'investir dans ma vie. Dieu a choisi d'investir dans ma vie aussi pour que ma vie elle porte du fruit. Pour que ma vie, elle soit utile, non pas juste pour qu'on puisse dire il a fait telle ou telle grande construction, telle ou telle grande chose, mais utile parce que d'autres personnes ont appris à connaître Jésus au travers de moi, au travers de vous, au travers de chacun d'entre nous. Dieu a investi la route de la sainteté de Dieu, c'est cette voie sainte. La route de la sainteté de Dieu, elle n'est pas optionnelle, c'est cette route qui va nous mener au salut. Et la route de la sainteté va attirer. On sait bien comme la lumière va attirer les insectes, les mouches, etc. De même, la sainteté dans la vie d'un croyant attire les autres dans le royaume de Dieu. Je pense que la vie des chrétiens doit faire envie, doit pas être repoussante. Peut-être les gens, certaines personnes, se sentent accusés dans leur conscience, mais là encore, on doit faire attention. On n'a pas à juger qui que ce soit, on n'a pas à condamner qui que ce soit, on n'a pas à être accusateur face à qui que ce soit, mais on a à montrer la différence. Qu'est-ce que Jésus fait dans ma vie Comment est-ce que je me comporte face aux difficultés de la vie, face à peut-être un décès, face à un drame, face à la perte d'un travail, face à un accident, face à la mise au chômage, face à, face à, face à. Comment est-ce que je me comporte Est-ce que Jésus fait la différence dans ma vie Est-ce que cette lumière qui est en moi va attirer d'autres C'est tellement important. Je vais vous montrer une petite vidéo par rapport à, à ça. Cette lumière qui peut être éblouissante, mais qui finalement va attirer ou appeler aussi à attirer. Depuis que Dieu a créé le monde, il est à l'œuvre pour le bien-être des humains de tous les humains. Dieu a même continué à les aimer alors qu'ils se sont détournés de lui. Ils n'ont pas tenu compte de ses avertissements, préférant choisir par eux-mêmes leur propre manière de vivre. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il déclenche son grand projet pour le salut des êtres humains. Une longue histoire d'amour qui traverse la Bible et les siècles et qui le conduit à donner son fils unique, Jésus. C'est par la foi en lui que tout le monde peut vivre en paix avec Dieu. Les chrétiens, ainsi libérés de la peur de la mort, accèdent à la vie éternelle et reçoivent comme mandat de propager cette bonne nouvelle. Poussés par l'amour de Dieu, ils sont envoyés. Avons-nous un rôle Avons-nous un rôle J'ai volontairement arrêté ce petit clip sur cette séquence. On est envoyé, on a un rôle, et la roue de la sainteté attire. Est-ce qu'on est attirant ou repoussant? Cette route qui conduit vers le Seigneur, est-ce que c'est attirant? Est-ce que ma vie fait envie? Est-ce que je fais partie des grincheux de la vie ou est-ce que je fais partie de celles et ceux vers qui on va se tourner en finalité parce qu'on sait eh bien que voilà, j'ai un tel comportement lorsque c'est difficile? je vais pouvoir être peut-être une référence face aux autres. Peut-être les gens rigolent un petit peu de, de moi. De temps en temps, je dis de moi, de vous, hein, parce que voilà, c'est le bigot de service ou le chrétien de service. Mais en cas de difficulté, on se souvient de celui-ci qui prie et ouais, qui va être responsable, fidèle aussi dans ses engagements. Cette route qui attire, la sainteté qui attire, qui fait envie, pas qui est repoussante. Dans Jean 12, verset 32, il a dit, Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. On va lire Jean 12, versets 27 à 36. Maintenant, mon âme est troublée. C'est Jésus, donc, juste après son entrée triomphale le dimanche des rameaux. Maintenant, mon âme est troublée. Que dirais-je, Père Sauve-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, ils se il se rend compte qu'il va bientôt passer à la croix. Hein. Donc là, il est troublé. Il dit :« Mon âme est troublée. Que dirai-je » Verset 28, Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel :« Je t'ai glorifié, et je le glorifierai de nouveau. » Verset 29, la foule qui se tenait là et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre d'autres, disait, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Verset 32, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Verset 33, il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, ⁇ Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc, dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé Qui est le Fils de l'homme ?⁇ Jésus leur dit, ⁇ La lumière est encore pour un peu de temps parmi vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jésus dit cela, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Je crois qu'on a reçu cette lumière. On a la lumière au milieu de nous. On a reçu le Saint-Esprit aussi qui témoigne à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. On a cet esprit qui témoigne aussi de Christ dans nos vies. On est le temple du Saint-Esprit. Beaucoup de versets nous encouragent. Eh bien, à cultiver cette présence de Dieu nous montre eh bien qu'on a cette lumière en nous. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des enfants de lumière. La route sainte attire, attire et attire encore. On a cette lumière et on est appelé à marcher en direction de la lumière, mes frères et sœurs. Ne vous trompez pas de direction, ne vous trompez pas d'endroit, on peut choisir plein de chemins. Mais il y en a qu'un qui mène à la vie éternelle. Quatrième chose que j'aimerais vous partager ce matin, et ce sera mon dernier point, la route de la sainteté, c'est aussi un ticket vers Dieu, c'est cette voie du salut. Sans la sainteté dans la vie, dans Hébreu 12, verset 14, il est dit que nul ne verra le Seigneur. Verset 14, Hébreu 12, faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Faites tous vos efforts pour mener une vie de plus en plus sainte. Comme j'ai dit, vous êtes à tel ou tel niveau, ça concerne vous et votre Seigneur, le Seigneur qui agit dans votre vie. Mais c'est dit, eh bien c'est bien, mais continue, progresse encore. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les hommes et pour mener une vie de plus en plus sainte sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Déjà, rien que ce verset 14 est juste absolument incroyable. Est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour être en paix avec tous les hommes La Bible dit, pour autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il y a des personnes, il faut le dire, la Bible parle de de femmes querelleuses, je pense qu'il y a aussi des hommes querelleurs, mais il y a des gens, on a l'impression, ils sont là pour se quereller, rechercher l'époux les, les à chaque instant. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les hommes, et toutes les femmes, évidemment, avec tout le monde. Verset 15, Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Là encore, est-ce qu'il y a du poison, des racines d'amertume Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Je ne commente pas beaucoup ce texte, mais je le relis. Simplement pour vous pousser à réfléchir. Verset 16. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Esaü, qui pour un seul repas a vendu son droit d'aînesse. L'immoralité, c'est quoi aujourd'hui Elle est à disposition de tous et toutes au travers d'Internet, peut-être L'immoralité. La Bible dit aussi que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal soit exempt de souillure. L'immoralité, c'est peut-être encore bien d'autres choses. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou méprise les choses saintes. C'est tellement important, mes frères et sœurs. Esaü, qui était affamé, il se disait de toute façon, je vais mourir, donc euh, à quoi ça me sert ce droit d'aînesse et il a méprisé son droit d'aînesse et finalement, eh bien, il a passé en second plan. Un moment d'égarement, un moment de petit plaisir caché que personne peut-être va voir. Enfin, oui, Dieu va voir. Il peut aussi eh bien, engendrer des grandes conséquences. Heureusement, on peut se repentir et c'est évidemment dans ce sens-là que je vous partage ça ce matin, parce qu'on est sous la grâce. Mais on est appelé à se repentir et à changer de comportement. Verset 17, vous savez que plus tard, lorsque Esaü donc, a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait, bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Ce matin, on a cette possibilité. Esaü l'avait pas, mais nous, on a cette possibilité de revenir vers le Seigneur et de lui demander pardon et de lui dire, voilà, j'ai eu des moments d'égarement. La route de la sainteté, c'est ce ticket vers Dieu. On est appelé à progresser, c'est la voie du salut. La sainteté est aussi requise eh bien, pour la communion avec Dieu. Ésaïe 35.8, à travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera parce qu'elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y si égarer. Là encore, mes frères et sœurs, considérons la parole de Dieu avec sérieux. David a demandé au psaume 15 Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui sera accepté, en d'autres termes, dans ta présence Qui demeurera sur ta montagne sainte Il demandait Seigneur, qui peut vivre dans la communion avec toi et la réponse qu'il a reçue dans les quatre versets suivants peuvent être résumées ainsi. Celui qui mène une vie de sainteté. Lisons le psaume 15. Il est tout petit, mais il vaut la peine. Psaume de David, éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue. Il ne fait pas de mal à son prochain. Et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt, il n'accepte pas de présent contre l'innocent. Celui qui agit ainsi ne chancellera jamais. C'est juste incroyable ce, ce psaume. On aime, dans les temps de louange, venir un petit peu comme sur la montagne sainte. On aime bénir le Seigneur, mais, mais de la même bouche, de la même source, ne peut pas jaillir deux de choses différentes, la bénédiction et la malédiction. C'est bien dit qu'on pratique l'intégrité, la justice, on dit la vérité, toutes ces valeurs qui doivent justement faire la différence pour des chrétiens, pour celles et ceux qui se réclament du Seigneur. Il ne calomnie pas de sa langue. Vous savez, c'est vite fait de calomnier. Répétez quelque chose qu'on vous a dit sans être certain que c'est la vérité. Et même si vous êtes certain que c'est la vérité, est-ce que ça va édifier Est-ce que ça va construire Est-ce que ça va aider à élever le Seigneur Il ne calomnie pas la critique. Il ne fait pas de mal à son prochain, L'encore, même si c'est vrai, quelque chose qu'on entend. Il ne fait pas de mal à son prochain. La Bible nous dit, si ton frère a péché, va, trouve-le seul à seul. C'est n'est pas dit, va le dire à Paul, Jacques et Jean, à André et à Thomas. Mais c'est dit, va, rencontre-le seul à seul. Si tu écoutes, tu as gagné un frère. Si tu n'écoutes pas, tu prends avec toi quelqu'un d'autre avec. Puis tu le dis. Puis tu essaies de le convaincre, de lui parler. Et puis c'est seulement, si tu n'écoutes pas, que tu vas le dire à l'Église. Et puis s'il écoute même pas l'Église, eh bien finalement tu le considéreras comme un païen. Je paraphrase le texte, mais là encore, le but, ce n'est pas de désintégrer quelqu'un, ce n'est pas de, de, le faire, de lui faire du mal, mais c'est toujours rechercher son bien. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain, il ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte pas s'il a fait un serment à son préjudice. Ah mais je t'ai rien promis. Ah mais tu me l'as dit. Il ne se rétracte pas. Aujourd'hui, peut-être selon juridiquement, ben, il faut avoir signé, il faut avoir fait un tel ou tel accord. On a écrit, on s'est engagé par notre signature, mais si on s'est engagé en tant que croyant par notre langue, on s'est déjà engagé. On s'est déjà engagé, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il ne se rétracte pas s'il a fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt. Alors je vais conclure. Selon Matthieu 7, 13 à 14, il y a aussi une voie étroite qui indiquait entrer par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Mes frères et sœurs, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas forcément facile que de choisir le Seigneur. Ce n'est pas forcément facile que de vivre dans cette direction de cette manière-là, mais c'est le chemin qui mène à la vie. Aujourd'hui, on va s'assurer pour bien des choses terrestres. On va manger peut-être sainement. On va, euh, certains vont faire des, des marches pour le climat, parce que. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que ce n'est pas bien. On va. On aimerait vivre en fait l'éternité sur terre, et on ne se rend pas compte, et eh bien que le Seigneur a aussi dit, eh qu'un jour il y aurait des nouveaux cieux une nouvelle terre. Alors je suis pas en train de dire euh, polluons au max, et non, je crois qu'on est appelé à prendre soin de ce que le Seigneur a mis euh, à notre disposition, bien évidemment. Mais on va on, on va faire tous ces efforts et c'est bien pour respecter la nature que Dieu nous a donnée. Mais est ce qu'on fait aussi tous nos efforts? Est ce qu'on a aussi euh, toute notre énergie eh bien, pour s'assurer les faveurs du Seigneur? Parce que Jésus revient, Jésus revient et son jugement sera juste, mais son jugement sera aussi sévère pour ceux eh qui le rejettent. Quelle est ta destinée dans ce voyage de la vie dans laquelle tu t'es embarqué? Vous l'aurez compris, cette route qu'Esaïe nous propose, c'est la voie du salut. La voie du salut. Empruntez-la, mes frères et sœurs. La route, on l'a vu ce matin, c'est la voie sainte. Ésaïe 35, verset 8. À travers le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera parce qu'elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Cette route, c'est une route qui est certaine, qui est en sécurité. Là, il n'y aura pas de lion et les bêtes féroces n'y auront pas accès. On n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé qui marchera sur cette voie. La route, c'est aussi cette route qui mène à la maison de l'Éternel. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Et cette route, évidemment, c'est ces cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse et plainte s'enfuiront. Est-ce qu'on veut emprunter cette route ce matin. Comme je l'ai dit, il y, a un prix, il y a un prix à payer. Et le premier prix qui a été payé, c'est Jésus qui l'a payé en fin de compte. C'est Jésus. Jésus a donné sa vie pour vous, a donné sa vie pour moi. Il y a un prix à payer pour la sainteté. En fait, c'est le sacrifice du Christ à la croix. Mais il nous dit, soyez saints comme je suis saint. On est appelé à ne pas mépriser non plus les grâces du Seigneur. Donc il a tout fait, tout accompli, et bien pour qu'on ait cette assurance XXL, en plus qui est gratuite, vous n'aurez pas de bulletin de versement à la sortie, l'assurance du salut, elle est gratuite. Jésus a tout accompli, tout payé. Aussi pour nous donner la force eh bien de, de le suivre, de mettre en pratique sa parole. Mais on est appelé à emprunter cette voie sainte, cette route qui mène vers le Seigneur, cette route sûre, cette route de la maison de Dieu, cette route qui nous conduit à la joie. Vous pouvez investir beaucoup de choses pour trouver la joie dans beaucoup de loisirs, peut-être dans une nouvelle voiture, dans une nouvelle maison, dans un nouveau smartphone, dans un nouveau euh, je ne sais pas quoi. Mais finalement, au bout d'un peu de temps, vous vous rendrez compte, bon, j'ai besoin d'autre chose parce que ça ne m'apporte pas, euh, pas pleinement la joie. Certains vont se dire même dans un nouveau conjoint parce que le précédent ne m'apportait pas la joie ou celui-là voilà, il ne répond plus à mes besoins. Non, la fidélité aussi, l'amour, le respect pour le Seigneur. Le psaume 23 nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Waouh. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près des eaux paisibles. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui voilà qui me réconfortent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Oui Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume 23, comme bien d'autres textes dans la Bible, je vous invite à les, à les lire, à les relire, et à vous poser la question, mais est-ce que le Seigneur est votre berger Est-ce que vous lui obéissez Est-ce que vous le chérissez Est-ce que, eh bien, lui qui nous a conduits dans la sainteté, on l'honore, on le met à la première place il est celui qui dresse une table en face de nos adversaires, qui induit notre tête, qui dit même que notre coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est tout ce programme, et encore bien plus grand, qui est là pour vous. Mais il y a un prix à payer. Jésus l'a déjà, déjà payé. Tout est accompli. Mais il attend de nous et eh bien qu'on marche sur cette route et qu'on progresse encore et encore et il va vous aider il va m'aider à progresser encore et encore à marcher dans la pureté à marcher dans la sainteté dans la droiture dans la justice à être un homme une femme de parole tout ça il va le faire